Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, si je lance Google Chrome, que je me rends sur DistroWatch, en date du 21, si mes souvenirs sont bons, et oui, en date du 21, donc on est le 24, il y a 3 jours, Mubuntu a publié sa nouvelle release taguée 9-1.02. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Déjà, le nom peut induire en erreur. Avant, Mubuntu était basé sur Ubuntu. Ce n'est plus le cas. Maintenant, elle est basée sur Debian. Et en l'occurrence, cette nouvelle release est basée sur la Debian 9.4 Stretch. Alors, ce qu'on peut aussi remarquer, si je fais appel à mon ami le traducteur, ajout d'utilitaire pour détecter et configurer automatiquement les périphériques de l'imprimante. Bon point. Alors, addition de shutter, addition de darktable, seulement pour les systèmes en 64 bits. Ok. Alors, addition de l'icône d'installation LXDE dans le menu XFCE. Je pense que c'est ça. Ajout de l'icône d'installation de LXDE dans le menu XFCE. Extra. Alors, on va demander la traduction de ceci. Modification du script gérant les images de l'économiseur d'écran afin de pouvoir l'éteindre. Extra. Mise à jour du wiki. Alors, on a une mise à jour de hplib en version 3.18.4. Mise à jour de TurboPrint 2.45. Mise à jour de Skype en version 8.20. Tous ces softs sont proprios. Donc, pour Skype, uniquement en architecture 64 bits. Et alors, on a affaire au guest DKMS de VirtualBox en version 5.2.10. Il y a le point 12 qui est sorti, c'est pas grave. Alors, multisystème, mise à jour en version 1.0423, multisystème qui va permettre de créer une clé USB, comme son nom l'indique, multisystème. J'ai récupéré l'image ISO qui se trouve ici. Mubuntu. Alors, 3748 mégas ou 3 gigas. 748. Le point est conséquent. Pour ceux qui ne connaissent pas Mubuntu, Mubuntu a été créé dans le but de faciliter le reconditionnement de machines anciennes par MAOS. Voilà. Alors, pourquoi cette distribution embarque ? Ben vous allez le voir. Pourquoi le poids de l'image ISO est conséquent ? Ben parce qu'elle embarque une multitude de logiciels qui peut répondre à la quasi-totalité des besoins. Pourquoi procéder de la sorte? Tout simplement parce que Mubuntu peut être utilisé dans des pays qui n'ont pas de connexion Internet ou qui en ont une, mais pas une connexion Internet digne de ce nom comme nous on peut en bénéficier. Donc, l'image ISO incorpore la quasi-totalité des softs et n'a pas besoin de connexion Internet pour pouvoir être installée. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Mubuntu. Alors, ce que je vais faire avec vous, on va l'installer parce que j'ai envie de vous montrer comment se déroule l'installation. Bon, ça, il n'y a rien de bien chinois, c'est l'installateur classique de Debian. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la post-installation, parce que vous allez voir une série de scripts qui va se lancer. Et c'est ces scripts, en fait, qui vont vous permettre de, entre autres, de peaufiner un peu votre installation. Vous allez voir, c'est pas mal fichu du tout. Alors, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Moi, elle est déjà installée, hein, cette Mubuntu. Elle est ici. On va faire ceci. Là, ici, je détaille pas. Hein. Hop, Linux. Hop. Coller. On va retirer le ISO. On va mettre TMP. Next. Next. On va customiser cette VM. On va mettre 2 gigas. Seulement ici, on va se lâcher un peu. On va mettre 4. Voilà. Alors, on va aller chercher l'ISO qui va bien, qui se trouve ici. Network, ben ce sera du NAT. USB, on va faire comme ceci. Sound, c'est bon. Printer,
Je vais pas la tester. De toute façon, j'ai pas d'imprimante de connecté, donc j'enlève. Display, accélération 3D. Ferme. Finish. Alors, elle est où cette Ubuntu? Elle est la plus bas. On va la faire remonter. TMP. Alors, attendez. Voilà, ça c'est. Et ma Ubuntu qui est déjà installée. Voilà. Et... Call. J'édite de nouveau les réglages. Options. Utiliser si disponible. Voilà. Et voilà. On est enfin prêt. On peut démarrer. Donc on va procéder à cette installation. Voilà. On va faire F9. Non. On va faire F9. Voilà, c'est mieux. Alors, ici on choisit sa langue. Oh là, non, je fais une erreur. On revient en arrière. On choisit le français. Alors, on peut essayer ma Ubuntu sans l'installer. Essayer ma Ubuntu sans l'installer. En mode sans échec. Installer ma Ubuntu en mode texte. Installer ma Ubuntu en mode graphique. Installer ma Ubuntu, donc compte partition. Installer ma Ubuntu, juste les partitions. Donc, on va l'installer directement en mode texte. Ou dit classique. J'adore l'installateur de Debian. Il est d'une simplicité déconcertante. Français, de Belgique, entrée belge pour le clavier. Vous allez voir, ça devrait aller assez vite. Alors, nom de cette machine, bah, ça va être simple, ça va être mon identifiant, tirer le nom de la distribution, et on précise bah, que c'est une VM, hein. Voilà, touche tab, enter, alors, le mot de passe root, donc ce sera la blague Linux pour ma part, on vérifie, c'est bon, on le confirme. Je vérifie, je confirme. Alors, nom complet du nouvel utilisateur. Attention, c'est pas l'identifiant le username, c'est le nom complet. Donc, comme si je mettais Amaury Libert. Je confirme. Ici, par contre, c'est l'identifiant au username, donc BBLX. Je vais mettre un I. Je confirme. Le mot de passe de cet identifiant, ce sera blabla. Je vérifie, voilà, c'est bon. Je le confirme, ce mot de passe. Ok, c'est bon. Et là, je pense... Ah voilà, méthode de partitionnement, assister, utiliser un disque entier. Voilà. Alors, disque à partitionner, c'est bon. Tout dans une seule partition recommandée pour les débutants. Ok. Et alors, attendez, ce que je vais faire, je vais couper... Mais notif, voilà, ce sera mieux. Alors, terminer le partitionnement et appliquer les changements. Ok. Touche tab, faut-il appliquer les changements sur les disques? Oui. Et voilà. Et là, ben, ça s'installe. Hein. Donc, on patiente. Alors, faut-il utiliser un miroir sur le réseau? Bah oui. Hein. Provenance Belgique, le premier, ftp.be.debian.org. D'ailleurs, regardez, généralement, ftp. Le code de votre pays. Et ça se termine par .debian.org est un choix pertinent. Allez, alors. Mandateur HTTP, je laisse vide. Installer le programme de démarrage Grub sur le secteur d'amorçage. Oui. Choix manuel du périphérique. Non.
moi ce sera sur /dev/SDA. Fin d'installation. Ah, c'est gai de voir ça. Je pense qu'en tout, je pense que j'en aurai eu pour 10-12 minutes jusqu'à maintenant. Allez, on va dire 10 minutes jusqu'à maintenant. J'ai pas regardé l'heure, hein. Mais enfin, j'ai pas regardé l'heure exacte, du moins. Voilà, installation terminée. Bah, continuer. Et voilà, ça reboot. On arrive sur le Grub. On y va. Désolé s'il y a un peu de bruit. Mais il y a des gens dans la maison, les chiens qui aboient. Si vous ne les entendez pas, bah c'est tant mieux. Alors, je me connecte. Et là, c'est parti. Vous allez voir. C'est une série de scripts qui vont se succéder. Premier script. Mmubuntu Debian Edition, bienvenue. Super. Pour accéder directement à la documentation de Mmubuntu inclusive dans votre système, cliquez ici. Merci d'avoir installé Mmubuntu Debian Edition 2. Le lien est vers sourceforge.net. Je valide. Alors, voulez-vous lancer GSpeech, synthèse vocale? Non. Choix de la version du menu. Donc on parle ici. Donc classique ou Whisker? Ce sera Whisker. Je valide. Alors, veuillez sélectionner la version du fond d'écran la plus adaptée à vos besoins. Bon, maintenant on n'a pas d'aperçu du fond d'écran. Donc ce que je vais faire, je vais laisser Mmubuntu classique. Je valide. Choix de la version d'image de l'économiseur d'écran. Mmubuntu. Ubuntu inactif. Alors on va laisser Mmubuntu. Je valide. Voulez-vous activer l'ouverture automatique de session? Non. Voulez-vous activer le dock lanceur d'application? C'est KeroDock pour ceux qui connaissent. Oui. Voulez-vous verrouiller par défaut le dock KeroDock de Mmubuntu? Non. Alors veuillez sélectionner la version du dock la plus adaptée à vos besoins. Complète, simple, basique. Complète pour les personnes voulant accéder à toutes les applications. Simple pour les débutants et ma très chère Madame Michou, pour ceux qui connaissent. Basique pour les enfants et les très grands débutants. On va mettre complète. Je valide. Voulez-vous activer la barre des tâches? Donc, ici je pense. Oui. Voilà. Voulez-vous installer des logiciels non libres dans la distribution? Oui. Qu'est-ce que vous voulez installer? Eh ben, je vais mettre les codecs. Les codecs et c'est tout. Je valide. Je m'authentifie. Donc, blabla. Voilà. Et c'est parti pour l'installation des codecs. C'est simple, hein. C'est génial, hein, quand tout fonctionne. Et ça a toujours été dans Mmubuntu. Depuis aussi longtemps que je peux la suivre, si je me rappelle bien, il y a toujours eu une petite série de scripts comme ça. C'est ça qui fait aussi Mmubuntu. Et tout a toujours bien fonctionné en fait. Voulez-vous supprimer les langues inutilisées dans la distribution? Oui. Donc veuillez sélectionner les langues dont vous n'avez plus besoin. Mais je vais juste garder le français. Voilà, je valide. Je m'authentifie de nouveau. Et c'est parti pour la suppression de toutes les langues que j'ai sélectionnées. Donc je les ai toutes sélectionnées. J'ai juste gardé le français. C'est ça une distribution. C'est juste une série de. Une suite de scripts qui s'enchaînent. Mais quand ça fonctionne, ben, c'est magnifique. Et ici, ben, je dois dire que tout fonctionne. Parce que j'ai essayé les scripts parfois en installant certaines choses, parfois sans installer certaines choses, parfois j'activais le dock, parfois pas, mais je dois dire que les scripts fonctionnent, peu importe l'option choisie. Ouais, là c'est bon. Ouais, alors ce qu'on va faire, on va en profiter, on va
appeler une instance terminal. Voilà. On va faire un sudo apt. J'ai dit apt, voilà, apt update. Je m'authentifie. Voilà. OK. Et là, alors, j'ai le choix. Quand on est sous VMware, un peu comme sous VirtualBox, soit on installe, donc ici je vais parler de VMware, les tools proposés et mis à disposition par VMware, ou alors on installe le paquet libre. Et comme sous VirtualBox, le paquet libre fonctionne, mais pas complètement. Ici, pour ce que j'ai à faire avec la distribution, donc moi ce que je veux, c'est pouvoir passer en full screen. Et le redimensionnement à chaud, donc en mode fenêtré, ça fait le taf. Maintenant, sinon, les tools proposés par VMware sont d'une autre qualité. Exemple, je pense que pour monter un dossier partagé entre l'hôte et la VM, le paquet libre, je ne sais plus, hein, de souvenir, je pense que ça foire un peu. Tandis que les tools proposés par VMware, ça fonctionne. Un peu comme sous VirtualBox. Hein. Mais bon. Alors, si vous êtes sur une VM serveur, vous ferez juste sudo apt install open-vm-tools. C'est tout. Si vous êtes sur une VM desktop, on rajoute -desktop. Je valide par entrée ou enter. Oui. Entrée ou enter. Et ça va vite. Yeah. Alors, à partir de là, on va faire un sudo reboot. Voilà, je m'authentifie. Et voilà que c'est beau. Voulez-vous supprimer cette fenêtre de dialogue au prochain démarrage? Oui. Voilà, c'est fait. Alors, donc voilà, le doc apparaît. Donc c'est KeroDoc. Première chose que je vais faire, on va faire paramètres du bureau. Voilà. Faire comme ceci. Et le doc se planque. Hein. Donc, masquage intelligent. Et ce qu'on va faire, je sais pas moi, ceci. Yeah, voilà, ça le fait. Je ne vais pas la présenter de faute en comble. Je pense que sur ma chaîne, il y a déjà des vidéos qui parlent d'Emubuntu. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, donc ce que je vais déjà pas faire, c'est présenter les settings proposés par XFCE. Voilà, ils sont là. Ok. Ce que je vais faire, c'est plutôt montrer la panoplie de soft installés. Alors, le doc, malgré... Donc le doc KeroDoc, malgré que j'ai demandé une présentation donc, du doc complète, il ne montre pas l'entièreté de ce qui est installé. Et les catégories qui sont reprises par KeroDoc ne sont pas nécessairement les mêmes que les catégories reprises dans le menu Whisker. Exemple, dans le doc j'ai une catégorie communication, dans Whisker. Voyez. Alors un autre exemple, déjà. Bureautique. Voilà ce que KeroDoc me montre. C'est bien. On a 4, 8, 12, 16 icônes. Si je vais dans bureautique, d'ailleurs on va faire ceci. Voilà. Dans bureautique. Ah, c'est autre chose. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22. Voilà, il ne reprend pas tout, mais il reprend beaucoup. Ok. Donc, ce sera peut-être plus fun de vous montrer, de vous montrer tout par le doc. Mais sachez qu'il existe beaucoup plus. Donc ici, maison, ça lance en fait votre gestionnaire de fichiers Tunar. Ok. Ce qu'on peut peut-être faire déjà, c'est appeler le terminal. Ah ouais, tout installer hein, sur Emubuntu, même htop, voilà, 526 mégas, c'est nickel, hein, sachant que c'est une distribution qui était prévue pour répondre à
à la plupart des tâches et services. Donc, on y va. Communication, qu'avons-nous? On a Thunderbird. On peut lancer, hein, voir si elle tient bien la route. On a évolution. Donc, mail, mail. Donc, client mail, client mail. Ok. Voilà. Ça fonctionne. Ferme. Ferme. On peut faire suivant. Non. On va annuler. On a vu que ça fonctionnait. Donc, oh, ici, j'ai pas montré. Si, j'ai signé deux fichiers. Firefox OSR. Ben ouais, on est sous Debian. Je vais se lancer. Voilà. Alors, avec pas beaucoup de plugins, juste ce qu'il faut. HTTPS Everywhere, passer les requêtes en sécurisé. Ublock Origin. Voilà. Donc, si je vais dans à propos de Firefox, 52.8.0. Voilà. Ce que je n'ai pas montré aussi, ce sont les trois raccourcis sur le bureau. Les cahiers du débutant. Voilà. Vachement bien fichu. Tutoriel. Ah bah ça va de nouveau lancer le client web, je pense. Voilà. Et le dernier, c'est quoi? Information. Documentation là où tu tiens, ça renvoie. Ah ok. Ah c'est pas mal. Je me dis bah ouais, pourquoi est-ce qu'il renvoie musique? Ah. Pas mal du tout. Image. Fondation. Donc photo fondation Abbé Pierre. Pas mal. Campagne hiver 2010, 2009, 2008. Ah oh, bah c'est bien. Document. Ebook. Waouh. Wiki et Ubuntu. Quel. Tutoriel. Main page. Emmaüs. Voilà. Ubuntu. Nickel. Que demander de plus? Ça, c'est un petit bug. C'est un petit bug du paquet libre Tools VMware. Niveau de l'affichage. Alors, on continue. Donc, communication. Alors, ah. On a Chromium. Chromium est de la partie. On a Pidgin. Donc Chromium client web. Pidgin messager instantané. Skype. Ah, Skype, voilà. Vous avez vu un des scripts post-installation m'a demandé si je voulais installer des logiciels non libres. J'ai mis oui. J'ai juste installé les codecs. Dans la liste, il y avait Skype. Mais malgré que j'ai dit non pour Skype, l'icône qui va me permettre de l'installer est présent dans le doc. Donc je vais mettre non. Fermé. Voilà. Donc Chromium est là. Et Chromium, je pense que ça doit être sa dernière version. Ou presque. La 66. 66. Nickel. Alors, on peut voir que, oula, que la zone de notif fonctionne. On a Pidgin qui est là. Voilà. Ici, update. Ok, c'est bon. On continue. Communication, qu'avons-nous? Jitsi, je connais pas. Framatalk, hein? Outil Frama. Empathy, même chose que Pidgin, on peut démarrer. Xchat, client IRC. FileZilla, ah, FileZilla. Donc, client FTP. Voilà. Donc, ici, je ferme, je ferme. Ferme. Fermé. Voilà. Alors, on peut tester FileZilla. Hein. Hôte, hôte, hôte. Ce sera FTP. Désolé pour le bruit. Désolé s'il y a du bruit. Donc, ce sera Annie. Service.ddns.net. Identifiant. Identifiant. Je pense qu'il n'y a pas d'identifiant. Si je fais ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Vous avez accès au serveur FTP Linux et Windows. Donc ça fonctionne. Nickel, nickel, nickel. Voilà. On continue. Communication. On a quoi? Transmission. Client torrent.
on a QubitTorrent. Ouais, c'est ça aussi Mabuntu, c'est que ça ne va pas vous proposer un client web, donc un navigateur web, mais deux ou trois. Ça ne va pas vous proposer un logiciel de messagerie instantanée, mais deux ou trois. Ça ne va pas vous proposer un client torrent, mais deux ou trois. Voilà, enfin je dis trois, souvent c'est deux, au moins deux. Ok. Alors, allez, on accélère parce que. Hop, WAMU, je connais pas. Framadrop, outil Frama. Framasoft Service, Frama. Framapad, yeah. Alors, on continue. Bureautique, qu'avons-nous? On a le dictionnaire. Ah, attendez, non. Bureautique, il y a des sous-menus. Hein. Voilà. Verbiste, dictionnaire, le conjugueur, Sistranet. Alors, non, je suis où moi? Je suis un bureautique. Voilà. Visionneur de documents. Abiwort. Gnumérique. LibreOffice Writer. Calc, Impress, Draw. Base. Kiwix. Calibre. Ebook Reader. Jenny. Donc pour les mails. Note. Calculatrice. Scribus. Vous voyez, je lance tout ensuite et ça fonctionne. Ce qui est génial avec Kerodoc, c'est que voilà, on peut lancer plusieurs softs sans chaque fois devoir rouvrir une catégorie. C'est ça qui est génial. Hop, calculette, au revoir. Hop. LibreOffice, ce sera la version 5.2.7.2. Voilà, Gnumérique, et ici c'est AbiWord 3.0.2. On continue, bureautique, audio, qu'avons-nous? Alors on a Audacious, Clémentine, Gpodder, podcast client, Audacity, EasyTag, Soundjoycer. Ah, Radio Tray, j'adore Radio Tray. Café Indicator, contrôleur de volume Pulse Audio, Pulse Effect, G-Speech. Alors, on va faire valider. Audacity, je vais pas faire toutes les versions des softs. Hein. 2.1.2, ok, c'est bon. Soundjoycer, il s'est bien ouvert. Ok, ok. Ah, là, par contre, peut-être faire fermer. Yeah. Alors je vois que Clémentine est là, on va fermer. Par contre je vois si, voilà, Radio Tree. Si je fais ceci, je sais pas moi. Allez. Suisse. Pas. Talk, BFM. Puissance. L'Amérique est toute puissante d'un point de vue économique. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Hein. Ouais, donc... Ça fonctionne. Allez, on continue. Bureautique, on a vu. Audio, bah, j'ai vu. Vidéo. Ah, VLC Media Player. Caffeine. Cheese. FreeTux TV. Minitube. WinFF. Carden Live, Transcoder Vidéo, Transmageddon et Kazam. Bah écoutez, j'ai tout lancé, tout fonctionne. À propos de KDE. Ok. Trompé. Carden Live. Voilà, MLT, donc la version 6.4.1. Et version. Donc KDE 5.28.0, QT 5.7.1 et 16.12.2 donc pour Caden Live. Oh. FF c'est cool, Mini c'est cool. Perm FreeTux TV, je sais pas moi. Ça c'est quoi MiniTube? Je pense que j'ai fermé. Je n'aurais pas dû. Ah, VLC. VLC, VLC, VLC. 3.0.2. Cool.
chaîne, ajouter un groupe. Voilà. Je sais pas moi. Français. Allez. Ajouter. Fermé, fermé. Oh, ça a l'air d'être bon. Hein. Il bug. Et ça, je suis en VM. Arte. Ah, petite erreur. Et voilà, je suis pas un utilisateur de FreeTux. Il y a peut-être quelque chose à faire. En plus. Alors, vidéo. J'ai tout lancé. Photo, Shotwell, là il y a des must, Photox, oh là là là, ah Photox qui me lance une page HTML, d'accord, merci, c'est gentil à toi, ok, donc Photox c'est bon, Shotwell c'est bon, ce serait malheureux, alors, Digicam, photo, image numérique, simple scan, GIMP, Inkscape, Darktable, Shutter, Pinta, Imagination, tout des must et tout fonctionne et tout fait partie de l'ISO Mubuntu. Et voilà. Digicam se lance. C'est ça en fait. Ce qui est génial, c'est que imaginez, vous avez quelqu'un qui commence à s'intéresser à Linux, au monde Linux, et à ce que propose le monde libre au niveau des logiciels. Pourquoi ne pas lui installer Mubuntu, juste pour qu'il se rende compte des logiciels que le libre peut proposer. Donc vidéo on a vu, photo, ah bon, on a vu, gravure, Brasero, XFBurn, GCDEMU, ok, gravure, loisir, Homebank, Suite Home 3D, Domino, Stellarium, ah je vais le lancer Stellarium, Plion Linux, Super Tux 2, Tux Guitar, Stellarium, ah, j'adore ce soft, ben voilà Stellarium. Où est le soleil? Ah, le soleil est là. Vénus est là. Cool. On quitte. Alors, loisirs, j'ai fini. Éducation. Bon, éducation, je m'en fous un peu, mais il y a Tux Paint. Oh ouais, ça fait de la musique à ces trucs-là. Ouais, ça fait trop de musique, je vais pas les lancer. Éducation, donc Tux Paint, Tux Mat, Tux Tipping. Monsieur Patate. Scratch. Voilà, alors. Utilitaire, waouh. Gestionnaire de paramètres. Là, c'est du sérieux. Donc, c'est le gestionnaire de paramètres XFCE. Gestionnaire d'archives. J'ai partid. Ah, va falloir que je m'authentifie, ce qui est normal. Utilisateur et groupe. HP Lib Toolbox. Capture d'écran. Gérer les travaux d'impression. P-Renamer. Connexion réseau. Arrand Air. Donc, modifier la résolution de votre ou de vos moniteurs. Verrouillage du pavé numérique. Recherche de fichiers. Bah, ça doit être 4 fiches. Wi-Fi Radar. Liste des applications. KeePass X. Ah, ça, on va le tester après. Installation Elixir. On va le tester après. Vous voyez, il y a... Tout fonctionne. Alors, maintenance. Ouh, Bleachbit. Attention, on le lance en route.
logiciel non libre. Ah. Attention, même chose, j'ai installé les codecs. Codec audio, codec vidéo. Mais par exemple, le reste, donc Flash, Adobe Flash, Font Arial, Font Calibri, Turbo Print, j'ai pas installé. Donc c'est-à-dire que si je clique sur l'icône, voilà, je vais sûrement avoir un message et ça me demande, voulez-vous l'installer ? Ok. Ok, HTOP, gestionnaire de tâches, donc proposé par XFCE, émulateur de terminal, Sysinfo, désinstallateur de système d'exploitation, réparateur de démarrage. Donc en fait, c'est Boot Repair. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être Boot Repair. C'est ça, c'est Boot Repair. Est-ce que j'ai tout lancé? Multisystème, créer vos clés USB multisystème, logiciel. Outil de mise à jour de paquets. Est-ce que le logiciel se lance ou le logiciel ne se lance pas? Ah, logiciel se lance. Allons faire nos courses. Bon, on va tester ça après. Maintenance, donc outil de mise à jour de paquet, gestionnaire de paquet synaptique, configuration du pare-feu, time viewer, même chose, il n'est pas installé. Donc si je clique, voilà, je pourrais l'installer. Alors, Andy try, sauvegarde, accessibilité, je passe un peu, aide, logiciel libre, Wikimedia Foundation, langue. Changer le type du doc, ah, c'est génial. On va voir aussi. Priordi, Edem Ubuntu, EdXFCE, Ed Debian. Alors, espace de travail, il y en a 4 par défaut, mais vous en mettez autant que vous voulez. Voilà. Afficher le bureau. Menu application, ben oui, il y a un menu application. Hein. Raccourci. Système de fichiers. CD-ROM. Disque dur. SMB route, déconnexion. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, on va voir si la mise à jour se passe correctement. Donc, on va faire un sudo apt update. Voilà. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou enter. Ok, maintenant je vais faire un upgrade. Ok, oui. Pour moi c'est bon. Ce que je vais quand même faire, je vais appeler logiciel. Lui, il met toujours une plombe à se lancer. On va voir si lui me dit qu'il y a encore des mises à jour. Non, apparemment, c'est bon. Alors, on va juste voir si on peut quand même installer... Ah, ben Blender. Allez, Blender, il n'est pas installé. On va voir si le logiciel fonctionne correctement. Voilà, donc là j'installe Blender. Pourtant je vois qu'il y a encore des mises. On va voir après. Ok, on va voir si c'est bon. Ouais, pour moi Blender se lance. C'est cool. C'est cool. Maintenant, synaptique. Hein, je m'authentifie. Voilà, synaptique. Fermé. Alors, on va quand même recharger. Hein.
Ok, tout mettre à niveau. Bah, y a rien à mettre à niveau. Par contre, lui, recherche de mise à jour. Ah, ok, voilà, un petit bug, l'icône n'était pas partie. Maintenant, peut-on installer quand même un soft dia synaptique? Je suppose que oui, mais on va vérifier. Blender, il est mis. Je fais juste une recherche. Qu'est-ce que je mettrais bien, moi? Qu'est-ce que je mettrais bien? Je cherche. Graphisme, qu'avons-nous? Discussion. Je sais vraiment pas quoi installer. Logiciel vidéo. Allez, DVD. Allez. Hop là. Ajouter à la sélection. Appliquer. Apply. On va voir si c'est bon. Donc, DVDNG, voilà. Apparemment, c'est bon. Cool. Alors, état. Regardez. Résidus de configuration. Suppression complète. Appliquer. Apply. Ok, c'est bon. On va être mis à jour. Ah, mini-tube, tiens. Ben. Ouais. Mets-toi à jour. Appliquer. Apply. Ok. Voilà, pour moi c'est bon. Ouais, pour moi c'est bon. Alors, on pouvait changer. Attendez, utilité. Non. Attendez, c'est où? Je vais utiliser le menu. Kerodoc. Voilà. Changer le niveau du doc. On va voir. Je suis en complet. Je vais le mettre en simple. Je valide. On va voir, c'est la même chose. Communication. Ah, j'ai beaucoup moins. Hein. Ah, ouais, beaucoup moins. Donc alors, si je vais dans Kerodoc, changer le niveau et que je mets en basique, à mon avis, je devrais quasi rien avoir. Ah ouais, c'est vraiment quasi rien avoir. Ok, mais en tout cas, ça fonctionne déjà. Ça fonctionne. Donc, changer le niveau du Dock Emabuntu, lancement Dock Emabuntu, protection Dock Emabuntu, préinstallation. Donc, si je fais changer le niveau du Dock, que je mets complet. Je valide. Voilà. Je rappelle. Je fais protection Dock Emabuntu. Oui. Mot de passe. Donc je m'authentifie. Et voilà. C'est-à-dire que je peux pas faire de gaffe dans le sens. Je peux pas le déplacer. Je peux pas supprimer des catégories, des icônes. Voilà. Il est verrouillé. Maintenant, il y a une chose qui m'intéresse. Ah oui. C'est maintenance. Non, c'est où? Accessibilité? Aide? Non, c'est où? Utilitaire? Voilà! Installation LXDE! Allez, on l'installe. Je m'authentifie. Je valide par entrée Enter. Je vous dis pas en fait cette vidéo-ci. Deux fois hier, j'ai essayé de la réaliser. Soit j'étais pas tranquille, ou soit il y avait du bruit. Je dis ça parce que, regardez, il va peut-être encore y avoir du bruit.
Non, ça a l'air d'aller quand même. Donc, installation LX2, merci d'attendre. Donc, soit je suis dérangé, souvent quand je fais une vidéo. Ou si je suis pas dérangé, bah, c'est du bruit ici fait par mes chiens, ou voilà, souvent c'est par mes chiens. Et soit j'arrive à rester calme, et si j'arrive pas à rester calme, allez, j'arrête l'enregistrement et il faut que je recommence. Mais ici, ça a l'air d'aller. Voulez-vous activer le Docker Odox sur LX2? Ah, bah, on va mettre non. On va mettre non. Voulez-vous supprimer les services inutiles afin d'optimiser LX2 Openbox dans la distribution? On va mettre. Attendez. Attendez. Supprimer. Eh ben, Timidity Time Viewer. Oui. Ah. Valider. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou enter. Apparemment, ce serait fait. Il y a juste là, voilà. On a aucune confirmation. Mais je pense que ça doit être fait. Ouais. D'ailleurs, si je fais ceci. Que je fais déconnexion. Voilà. Je vais utiliser ce petit menu-ci. Et regardez. LXDE. Voilà. Je m'authentifie. Et je me retrouve. Toujours sur Mamoudou. Mais une session. LXDE. Même chose, voulez-vous lancer GSpeech? Non. Et là, apparemment, c'est tout. Alors, regardez, on n'a pas de doc. Donc, le script a bien fait son boulot. Mais, si je fais Kerodoc, activer, désactiver doc Mamoudou. Hop. Voulez-vous activer par défaut le doc Kerodoc de Mamoudou? Oui. Je m'authentifie. Et voilà. En mode complet. Ok, donc pour moi je suis en train de réfléchir si j'ai vu tout ce que je voulais voir avec vous, mais ouais, ça, je pense que c'est bon. Il y a juste, si je fais préférence du bureau, voilà, vous choisissez ce que vous ouvrir. Voilà. Sinon, ce qu'on peut peut-être faire en vitesse, je vais me déconnecter. On va voir si reconnecter sous XFCE fonctionne quand même. Hein. Voilà, je choisis la session par défaut, donc qui est XFCE. Je m'authentifie. Ok, ah, par contre, j'ai retrouvé mon wallpaper par défaut. Donc, ce qu'on va faire. Paramètres de bureau. Allez, je sais pas, moi je vais choisir celui-là. Voilà. On va se rendre dans tous les paramètres. Donc c'est les paramètres XFCE. Apparence. Et regardez. Blackbird. Ouais. Ok, paramètres c'est bon. On va aller dans gestionnaire de fenêtre. Et on va faire Blackbird. Voilà. Et là, on passe en black. C'est du black black. Ok, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu tous les softs, tellement il y en a. Regardez, si je vais dans accessoires, il y a une flopée de softs quoi. Bureautique, j'ai pas tout vu non plus. Parce que je suis passé par Kerodoc qui reprend presque tout, mais pas tout. Voilà. Sur ce, ben moi j'espère que cette courte, moyenne, longue présentation vous aura plu. Je vous dis bye bye, une prochaine, c'est Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.